Maxime, moi, dis-nous bonsoir. Comment nous y nous forme? On va le faire entendre une bonne nouvelle sur le pays d'Haïti. Nous avons un nouveau président. Nouveau président, c'est nouveau président, ça, c'est Maître Joseph Mécène, Jean-Louis. C'est un juge dans la Cour de cassation qui est plus ancien. Alors, normalement, on va faire une nouvelle là. Et on va faire entendre, comme dit nous, que moi, je ne pas une nouvelle. Et moi, je ne faire une nouvelle. Moi, entendre une nouvelle même j'ai avec nous. Moi, suivre une nouvelle même j'ai avec nous. Nous allons écouter. Écoutez attention. Écoutez bien. Qui ça? Parce que je voulais tout le monde contre juge là. Pour tout le monde garder bien. Son juge de carrière, un juge qui a pile d'expérience, n'est choisi. Mais alors, n'a pas gardé pour nous. Alors, c'est nouveau président, mais pour moi-même, et son président provisoire transitoire, président provisoire, mais je venais exactement pas voulu quitter le palais. Je venais toujours dans le palais. Par contre, si j'ai eu l'autre. On a une décision qui prend pendant jeudi, mais pour moi-même, je venais toujours dans le palais. Alors, nous allons regarder ensemble avec moi. Nous allons faire entendre et mettre moi à parler sur SRH 2000 et avec l'autre monde, l'autre journaliste qui va faire intervention, qui va parler, qui va parler et comment ça, biographie et mettre mes scènes. Joseph Mécène, elle est née d'une famille de 5 enfants à l'âge de 4 ans. Ses parents, Marguerite Dormus et Aimé-Ness Jean-Louis, dans le but de lui donner une éducation, décidèrent de l'envoyer faire ses études au Gonaïves où il fut inscrit à l'école Saint-Antoine dirigé par Mel Lislamotte, l'une des meilleures institutrices de la cité. Celle-ci ayant remarqué chez le jeune enfant des aptitudes intellectuelles peu ordinaires. Conseilla à ses parents de le placer à l'école des frères de l'instruction chrétienne. Sieur Guillaume, il fut reçu sans difficulté et ne tarda pas à se signaler comme un élève assidu et discipliné. Monsieur Batry de l'école. En 1961, il obtient son certificat d'études primaires et en octobre de la même année, il intégra le lycée Fabre Nicolas Geoffroy de Gonaïves, où il se signala comme un élève brillant. En juin 1967, il obtint son baccalauréat première partie et comme il n'avait pas à l'époque de classe terminale pour Gonaïves, il s'inscrivit au lycée Alexandre Pétion et s'y termina ses études classiques en juin 1968. Après ses humanités, au lieu de prendre le chemin de l'université, il se dirigea vers le service national éradication de la maladie, où il travailla comme un micro-piste. Après un incendie survenu au bureau du dit service, il fut mis à pied et après 10 mois d'inactivité, il reprit. Pris du service comme reconnaisseur géographique. Une activité qui lui fut très bénéfique car elle lui permit de sillonner le pays, sillonner
pardon, le pays entier dans tous les sens et se familiariser avec les jeunes coutumes des populations. Un an et demi plus tard, il quitta le service de reconnaissance géographique pour passer au service d'inspection qui lui permit de faire de grandes expériences. Il abandonna ensuite le SNEM pour devenir professeur au lycée des jeunes filles, lui, Diakwa Degonaïve. Cette première expérience lui valut 45 ans de carrière dans l'enseignement et Evans qui était nous lit et on note que et sénateur Nelel est voué pour nous là et d'accord et n'a dit et tout le monde nous sous et 95.9 dans le moment n'a parlé là évaluation par rapport à ça nous tapli là et petite population non et petite partie que nous était lié maintenant pour Kembe bon sur texte là m'a baissé faire Simba oui alors parce que j'ai l'autre m'a fait exercice ça et cliquer sur texte tapli et puis m'a fait traduction direct en créole et ça c'est un problème il y a prêté le téléphone là et m'a fait traduction direct en créole parce que comme machin à Casablanca dans la dame elle comprend ça cap dit elle même tout le peuple dormi Et monsieur ou bien président, on choisit pour remplacer et Jovenel Moïse, qui a pris le carnaval, qui sont carnavaliers dans la ville Jacmel. Et le fait, c'était le 6 mars 1949, dans une section communale marchand de Saline. Ça veut dire c'est Dinek Marchand. Nouveau président, les mêmes liés, Nek Machin, fait ça rapide pour donner dans mon texte là. 1949, et merci beaucoup Herbie, c'est Nek Machin de Salim, Kerbie, Machin de Salim, Nek Machin, département de la Tibonite, Joseph Messel, il fait dans la famille, il a gagné 5 timons, et c'est lui-même qui était avant-dernier, au sinon 4e. Et famille, maman, c'est Marguerite Dormus, et puis Jiménez Jean-Louis, c'est papa Lille, pour des noms d'ailleurs. Et donc, il y a un souci pour Bali, il y a une éducation qui est correcte. Et s'il a été décidé, vous allez faire étudier dans la ville Gonaïve. Il s'est dit machin là de l'école Gonaïve, côté de l'entrée dans l'école Saint-Antoine. Jean Saint-Antoine qui était dirigé par Mel Lys. Et la mode Jean Kerbie et Abdinois, à l'époque, c'est un monde qui était réputé, qui a une bonne réputation dans la cité indépendance, la Boston-Ville, à Gonaïve. Et donc, là, monsieur de l'école, monsieur démontre le gentil monde qui est intelligent, il n'y a pas gagné tête dit, il était sous salle, sous l'école. Et par ailleurs, d'après conseil que madame Madame Lamotte, et n'est pas Madame Lamotte directrice RCH, mais Madame Lamotte Mellis, qui était directrice de l'école Gonaïve, l'école Saint-Antoine, il était conseillé et par rapport à la qualité monsieur pour inscrire dans la frère instruction chrétienne sur you. Et bien, sans difficulté et sans printemps, monsieur était parmi un élève qui puis appliqué au stand. Intelligent, j'en date tout l'état l'air. Il était joué un certificat d'études primaires en octobre même année. Il a intégré le lycée FAB Geffroir au Naïf, il est entré en 6e secondaire. Monsieur encore, tu as montré que le son est qui brille et qui pas de crétin, j'en date tout là. En 1967, il a fait baccalauréat première partie, ça nous a les classes rétoire et dans le retour, monsieur pas de tout été. Monsieur filé dans philo, et c'est filé l'arrivée dans philo. Monsieur inscrit dans le lycée Alexandre Pétion, il a terminé études classiques dans l'année 1968. Après études humanitaires, au sinon secondaire, monsieur prend chemin université pour aller dans un service qui t'a déchouqué
thème dans votre quoi là maintenant, mais c'est le thème actuel là, ou sinon les motifs, et qui t'a déchouqué et malaria. L'étape de travail comme microscopique, microscopiste de préférence, et on est capable de détruire microbes. Après, il y a un gros différent qui déprend dans le service là. Monsieur Dabral passé 10 mois dans le chômage. Après, Dabral reprend le service, là, dans le domaine de géographie. Il y a une activité qui était rapportée, monsieur, et qui permet, monsieur, signaler au slot. Yo Weli avec congé l'habitant population. Ce qui dit donc monsieur ton un véritable travailleur social. On est qui familiarisé avec population. Yo année passée, monsieur quitté service reconnaissance géographique là, pour le passer dans service aspersion et aspersion c'est mon qu'on est flûté et cap détruit moustique, cap ba mon malaria ou sinon typhoïde. Monsieur vient abandonner SNEM, ouais. Et l'on est trop jeune, on m'a dit est-ce qu'on a SNEM, parce que SNEM était toujours un médicament, à l'époque sous forme graine, il était distribué. Et je vais faire un petit temps électif pour nous recevoir le sénateur Rika Pierre, je ne sais pas si vous voulez intervenir en direct, c'est le téléphone, non, je vais demander s'il a intervenu en direct. Et puis nous allons reprendre la lecture après, côté de campé là, et nous avons parlé de. Et nouveau chef d'État que l'opposition elle-même lui proposait dans place Jovenel Moïse que divers secteurs dans la vie nationale, là, parmi eux l'église catholique, a pensé que M. Webaye de Tivac, toi relax. Et c'est M. Mécène Joseph Jean-Louis qui remplaçait. Monsieur ça, diaspora, pardon, bien. Et 20 façons, la demande des populations, à un moment, on a parlé là, pour prendre toute disposition pour sécuriser le nouveau président pays. Et oui, c'est très important, Fondil. Parce que Jovenel Moïse, déjà, mettez sous route là, en groupe commando, pour attaquer le nouveau président de la République. Là. Et, mais est-ce que Jovenel gagne GPS pour tout le monde, quel que soit? Et depuis non cité, le met bon sou. Ouais. J'ai repris un juge là. Je fais un poupou sous lui. Et ouais, dans la vidéo qu'on a gagné, nous avons gardé ensemble dans l'heure. Il a passé le juge là dans la bêtise. Quel coup chaté. Il a ironisé. Il a humilié. Et nous demandons la population haïtienne là. Dans le moment où on a parlé là, pour sécuriser Kai, nouveau président de la République. Et là encore, comme M. Morin a dit, l'opposition est pour le prendre responsable. Parce que le président n'est pas en jointe. Et dans quelques heures, il y a un ensemble de gros pays qui vont faire tweet pour reconnaître M. Joseph comme nouveau président. Et message à la nation, Céline Hampton. Et avec la voix. Dans le moment où on a parlé là, on est avec le président Nicolas Maduro, c'est tweet qu'il a fait là. Et Nicolas Maduro, c'est le président que Jovenel Moïse était. Pas reconnaître dans Venezuela. Non, il était reconnaître dans le premier temps. Et pas reconnaître ni dans le deuxième temps. Non, quoi faire ça pour la gueule. Jovenel reconnaître dans le premier temps et dans le deuxième temps, comme la poule pour même chanter trois fois, Jovenel cémenté et sauvé, il va reconnaître Maduro. Mais ça, nouveau président pays, dans quelques minutes encore, on est avec Nicolas Maduro. Président Venezuela, pour le reconnaître monsieur comme président. Mon cher, au bas, je me connais. Alors, c'est premier monde qui fait. Comme si, on ensemble de gros chefs d'État, à travers mon plan, qui a une relation diplomatique avec la République d'Haïti, je vais le reconnaître. Et à bien surprise. Justement. Et vent a viré, et pas oublié. Jean-Notab dit là là. Et Jovenel Moïse va le monter sur le récifou. Je sais que je dis là. Pour le bas, pas parler. Il est bien compté. Et bien. Il était minuit. Mettre pour un ramassel. Et pour dire que c'est pression, mettre pour un tabaye. On a saisi ça. Après 24 heures de temps. Et non président en bas est connu. Tilly dit opposition d'a obligé en tenue sportive pour aller courir. Parce que. Mettre mon état plagué dans le courrier.
Allô, bonjour, qui va nous écouter nous? Okay.